Commençons par déjà, comment ça va sur ce Dauphiné? Comment est la forme? Ça va, la forme est bonne, ça continue. On fait pour l'instant un bon Dauphiné collectivement. On est présent toujours à l'avant, donc j'espère que ça va nous sourire d'ici la fin du Dauphiné. Quand on voit le profil d'aujourd'hui, quand on sait le punch que vous avez, ça peut vous correspondre, non? Oui, tout à fait. Bah, déjà, si on pouvait mettre quelqu'un dans l'échappée, pourquoi pas, une belle échappée qui peut aller loin. Et puis après, on sait qu'on a des bons punchers pour une arrivée typée comme aujourd'hui. Donc, il y a de quoi faire encore aujourd'hui. Quel type de course on s'attend aujourd'hui? Toute la responsabilité de la course va être sur les épaules de Bahreïn. Est-ce qu'ils vont avoir de l'aide? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que Cole Brilly a montré qu'il était très fort. Il était au-dessus au niveau des sprints sur le Dauphiné. Après, peut-être que les équipes de leaders vont collaborer. Peut-être qu'ils vont mettre quelqu'un devant pour se décharger du travail derrière. Donc, c'est assez difficile à lire aujourd'hui, à savoir si l'échappée ira au bout, si le peloton arrivera à rentrer sur l'échappée. Un petit sprint en petit comité, peut-être à l'arrivée. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce final, cette bosse et cette descente aussi avant l'arrivée, comment on gérait tout ça? La bosse de l'arrivée est très raide, ça va bien s'écarter, je pense, dans le peloton, il ne restera pas grand monde en haut, et puis après la descente technique peut être propice aux attaques, s'il ne reste pas beaucoup d'équipiers pour les sprinters. Ça va être un final assez ouvert, je pense, ça va être un beau final où il y aura pas mal de mouvements, je pense. Vous pensez que les sprinters peuvent revenir dans la descente ou c'est trop court? Vous pensez que les sprinters pourraient revenir dans la descente, ceux qui passent bien les bosses comme Cole Brilly, ou c'est trop court? Oui, ça dépend comment ça court devant. Si les leaders se lancent dans la bataille, ça m'étonnerait que ça rentre derrière. Après, s'il y a toujours des équipiers pour les sprinters, ça pourrait passer. Après, Cole Brilly, il a montré qu'il était très en forme. Donc je pense que même s'il y a 30-40 coureurs en haut, il sera dedans. Donc voilà, ça sera... On verra bien comment ça se passe. Merci beaucoup, bonne chance, bonne course.